C'est une grande satisfaction exprimée par Madame le maire et ses partenaires. Voici le cœur de cette deuxième phase du dispositif de vidéoprotection de la ville de Cayenne. Ici, c'est le centre de commandement. Situé au sein de la police municipale, il est composé d'une unité radio et une unité vidéoprotection. Ce centre de supervision urbain est géré par 7 agents, 2 policiers et 5 opérateurs, de 7h à 0h. Le système de vidéoprotection permet de lutter contre l'insécurité, donc en complément des actions qui sont déjà effectuées sur le terrain avec les services de police. Avec la réalisation de cette deuxième phase, le dispositif de vidéoprotection de la ville de Cayenne comprend 67 caméras. 21 sont en fonctionnement depuis 2012 dans le centre-ville, centrées sur les lieux de rassemblement ou de concentration de commerçants. Pour cette deuxième phase, 46 caméras ont été déployées dans les zones de sécurité prioritaires, surtout aux abords des établissements scolaires, régulièrement vandalisés et cambriolés. Au total, 9 écoles sont maintenant sous surveillance dans la ville capitale. Avec le renforcement de ce dispositif, malgré les difficultés financières, c'est un message fort envoyé à la population et aux partenaires dans la lutte contre la délinquance. Déjà, nous travaillons en collaboration, hein, police nationale, police municipale, et je suis très heureuse en tout cas que l'État nous suive sur ce dossier par rapport donc au CLSPD, contrat local de la prévention de la délinquance, avec qui nous travaillons avec monsieur le procureur et avec monsieur le préfet. Et donc c'est un signal fort en tout cas à la population pour voir, pour montrer, et puis pas seulement à la population, je voudrais aussi également parler, m'adresser aux commerçants du centre-ville, parce que les commerçants du centre-ville sont bien souvent dérangés par des actes d'incivilité, et aujourd'hui je veux les rassurer. Renforcement du dispositif de vidéoprotection et augmentation des effectifs de la police municipale. Près d'une douzaine d'agents supplémentaires a été recruté. Avec les 16 ASVP, les agents de surveillance de voie publique, l'effectif de la police municipale de Cayenne s'élève à 64 policiers. C'est un outil, je dirais, supplémentaire de terrain, un outil de proximité, avec des policiers qui seront beaucoup plus présents sur le terrain, qui va permettre de compléter notre dispositif de vidéoprotection, qui a été aussi présenté aujourd'hui, avec un déploiement de caméras supplémentaires en périphérie, dans les quartiers, pour surveiller aussi, sécuriser les bâtiments administratifs qui font l'objet de dégradations et d'intrusions. Donc ce dispositif a été déployé afin d'avoir une complémentarité avec les effectifs sur le terrain et les caméras pour pouvoir observer et surveiller effectivement les comportements déviants. Coût total de l'investissement pour cette deuxième tranche, près de 850 000 euros. Une troisième tranche est d'ores et déjà à l'étude et couvrira le secteur de l'université et de la zone Hibiscus, le nouveau centre moderne de la ville de Cayenne.